Bonjour les passionnés automobiles, donc là je suis avec mon ami Luc. Bonjour. Donc là on va vous présenter une superbe Camaro SS. Alors tu peux nous dire, présenter ce modèle, quelle est sa particularité? Donc c'est la génération 5, ouais. C'est un modèle de 2010, c'est le premier modèle de cette génération qui est sorti. Donc c'est une 405 chevaux. Boîte automatique, reprogrammée, oui. Pour gagner quelques chevaux. Une ligne Borla. Oui, qui fait un beau bruit. Qui fait un joli bruit. Bon, quelques petites décorations pour oui, faire que tu as rajouté toi ou c'était déjà d'origine? Ah, je l'ai eu comme ça. D'accord, oui. Les jantes aussi, tout d'origine? Ah oui. D'accord. Oui. Moi, je l'ai acheté comme ça. Je pense qu'il y a peut-être eu des choses. Oui. La ligne Borla, je crois que c'est. Ça a peut-être été rajouté. Mais d'accord. En fait, je ne sais pas exactement si la SS fait ce genre de choses. Je crois que la ligne Borla a été rajoutée. D'accord, je pense aussi. Il y a aussi d'autres choses qui ont été modifiées au niveau des roues, mais je. D'accord, enfin, tu sais pas. La personne qui me l'a vendu m'a expliqué ça, mais bon. Oui, je crois que l'écartement, ou alors c'est peut-être au niveau de la suspension qui est un peu rabaissée. Elle est rabaissée. Mais ça se voit là, ici. Pas passer presque les doigts. Fais attention pour les doigts. Ah oui, tout ça, oui, c'est chaud. Ouais. Ah ouais. Je m'en suis déjà pris. Même en faisant attention, ça peut quand même. Oui, ça peut frotter. Ça peut frotter. Ouais, voilà. D'accord, ok. Donc là c'est un V8 bien sûr. Un V8 voilà. Alors c'est pas d'origine, hein, comme ça. Voilà. Carrel, ok. Ah, c'est un gros moteur, hein. C'est vraiment. Ah oui, il y a de quoi se faire plaisir. Ah, ouais. Là c'est la batterie. Ah, une belle bête. Donc là, tu me disais ici, c'est les sorties Borla. Ah, c'est une ligne Borla qui est dessus. D'accord. Ici, tu as le diffuseur aussi. Comment? Les diffuseurs oui, ici oui, en oui, bas. Oui, voilà. Et là aussi, c'est marqué là. D'accord, ouais, c'est là qu'elles sont grosses. Hein. Ouais, magnifique. Donc là, si on est enfermé dans le coffre, on tire là-dessus et on peut sortir du coffre comme c'est une américaine. Donc là, on a un très grand coffre. Voilà. Et donc, tu disais, la batterie, elle est où dans le coffre? Elle est en dessous. En dessous, en dessous, en dessous de ça. D'accord, ok. En fait, elle est à la place. J'ai pas de roue de secours. D'accord. Par contre, j'ai un kit de. Oui. Avec un produit, ouais. Un kit de crevaison. Voilà, d'accord, ok.
Donc là, ça y est, c'est parti pour la virée en Camaro SSS. Le bingo, ce moment, ah bah oui. Hein, ouais. Donc pour moi, c'est une première en Camaro, en plus un peu typé, on va dire, transformer comme le film, mais en version moderne. Nous sommes à l'essai sur la route. Voilà, on va faire le petit circuit. Donc là, c'est l'intérieur de la Camaro. Comme tu disais, toi, t'as pas de GPS, t'as la radio normale avec le Bluetooth. C'était toute option, mais toute option de 2010. Hein. Ça d'accord, fait déjà, ouais, ça fait déjà 10 ans. Ah oui, c'est sûr. Un peu plus même. Hein. Là, ici, t'as les deux écrans. Alors toi, du coup, c'est en kilomètre-heure à gauche. Oui. Et puis à droite, tu as le contour. Le contour. C'est vrai que ça fait un peu ancien, on va dire, le graphisme. Ah bah pour le ouais. Pour ce modèle-là, ils ont c'est un comment on appelle ça, néo rétro. D'accord. Donc, et c'est pour ça que alors les dernières générations, maintenant on n'a plus tous ces tout ça. Oui, ça a l'air un grand écran quoi. Tout est digitalisé. D'accord. Même au niveau de la forme extérieure, bon, elles sont jolies aussi, hein, oui. Les générations suivantes. Mais elles n'ont pas ce charme. Elles sont japonisantes. Voilà, oui, c'est ça, voilà. Hein, okay. C'est vrai que le bruit, ah oui. Et est-ce que tu as échappement ouvert ou fermé? Non. Ah, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. En fait, ça le. Je crois que c'est plus ou moins automatique. D'accord, oui, ça se fait. Si je roule doucement, elle fait un bruit assez feutré. Et dès que je mets les gaz, elle gueule un peu plus. Oui, ça c'est cool. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup plus. Comment dire. Plus fort. En plus fort que ça en bruit. Ah, hein. On reste quand même dans le raisonnable. C'est un bruit très agréable, mais qui casse pas les oreilles. Parce que c'est un peu. C'est fatigant. Quoi. Si c'est pour gêner les gens, c'est pas rigolo non plus. Et je vois qu'il a aussi un régulateur de vitesse. Oui, un régulateur de vitesse, oui. Donc c'est un régulateur, c'est pas un... Limitateur, voilà. D'accord, ok. Et à droite, tu as quoi comme fonctionnalité, du coup, sur le volant? Alors là, c'est sur le truc classique pour les essuie-glaces, quoi, voilà. D'accord. Alors, donc c'est une automatique, mais oui. Je peux la mettre en... vitesse séquentielle. D'accord. Enfin, okay. J'ai des palettes de chaque côté du volant. Ok, ça marche. Et là, alors ici, c'est pour l'huile. Alors, je crois que le premier, ça doit être l'huile. En dessous, ça doit être l'huile de boîte, si j'ai bonne mémoire. Oui. Là, c'est la charge. D'accord. Et ça, c'est l'eau. D'accord, ok. Ah oui, c'est bien. Ah oui, tout de suite, là. Comme on disait, l'intérieur, bon, bah, c'est à l'américaine, on va dire, hein. C'est dur, ouais, ici bon, c'est dur. C'est honnête. Ouais, voilà. Mais bon, au niveau de la finition... Ouais. Ici c'est gris, c'est y a gris. Mieux. Voilà. Ici c'est gris. Il n'y a rien voilà, qui est bon, voilà, ouais, tout est dur. Ouais. Ouais. Mais après, comme on dit, c'est le charme à l'extérieur de l'américaine. Oui, voilà. Le bruit, le charme, et le son là, il est vraiment... au-dessus de la vitesse autorisée et tout de suite elle chante quoi. Ah oui, oui, tout de suite. Et là je fais rien. Hein. Ah ouais. Ça fait combien de temps tu l'as la Camaro du coup? Ça fait un an. Ah non, ah d'accord, ok, d'accord.
Un peu plus d'un an, quoi. Ouais. Je l'avais acheté à la fin de l'année passée. D'accord, ok. Du coup, tu n'as pas pu faire vraiment trop de choses avec? Pas beaucoup, non. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas... En fait, le grand truc que j'avais prévu, qui devait être intéressant, c'était le Mans classique. Ah oui. Et puis bon, ça s'était reporté. Et puis à mon avis, cette année, ça va être encore reporté. Ah oui, il y en a beaucoup de choses qui sont reportées, oui. La boîte automatique, comment elle se comporte, c'est savoir. C'est court. C'est dès que je. T'appuies, ça. C'est court. Ça, les rapports changent très vite. D'accord, ok. Faut faire très attention dès que c'est mouillé par terre. Ces derniers temps avec le gel et tout ça, c'était. J'ai pas senti. Hein. Non, c'est des voitures qu'on sent quand il fait beau en fait. Ah oui. Pour le plaisir. Oui, voilà. Mais bon, il y en a qui ont ça pour tous les jours. Hein. Ah oui, d'accord. Enfin, le V6, c'est. Assez souvent, les gens ont ça pour. Pour aller tous les jours au travail. Enfin, là, j'ai où là? Là, comme ça. D'accord. Là, tu vas prendre la nationale. C'est 14 litres, d'accord. Voire plus. Ah oui, d'accord. 14 litres au 100. Comment? 14 litres au 100, tu consommes? Oui. Ah, ouais. D'accord. Ouais. C'est lourd, hein? Oui. Thank you.
te remercie pour cette présentation de la Camaro SSS. Eh bien, écoute, c'était un plaisir. Hein. C'était sympa. Ouais. J'ai bien aimé. Voilà, et puis présenter ma voiture, c'est... Oui, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir, oui, voilà. Et puis moi, c'est une première pour moi en Camaro encore, un nouveau baptême, c'est toujours un plaisir. Baptême, oui, c'est bien. Oui, c'est vrai, des baptêmes. Bon, et donc, ça t'a plu? Ah oui, très bien, et puis le bruit, c'est vrai qu'on parlait d'un Imborla, que ça fait un bruit super, mais là, c'est vrai que c'est vraiment mélodieux. Écoute, je te remercie encore beaucoup. Écoutez, pouvez-vous... Moi, je te remercie aussi, hein, parce que en fait, c'était... Je te dis vraiment très agréable, c'est sympa, c'est bien. Et du coup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Passion Automobile, mon Instagram La Passion Automobile, un pouce bleu et ciao ciao. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Passion Automobile, mon Instagram La Passion Automobile et ciao ciao.